J'ai jamais voulu être artiste. Ouais. C'est ça le truc. Les gens, des fois, quand ils viennent à mes expos et ils voient certaines toiles, ils me disent « Ouais, on croirait Miro, on croirait... ouais, un petit truc de côté de Cazet, tu sais, quand... » Et alors que moi, j'ai jamais vu tous ces peintres. Mmh. Tout est à travers la musique, à travers... tu mets une musique, là, je vais te peindre des toiles et des toiles sans m'arrêter, quoi. J'ai commencé la peinture en 2005. Hein. J'ai jamais fait l'école des beaux-arts, j'ai jamais aimé la peinture, donc ça m'est venu sur un déclic d'Anaïs, une de mes filles. Mmh. Et depuis qu'elle m'a ramené sa petite frise en sortant de l'école maternelle, donc je l'ai pris dans les bras et j'ai tellement serré que je l'étouffais et qu'elle me disait « Maman, tu m'étouffes, maman, s'il te plaît, tu m'étouffes. » Et puis là, c'est à ce moment-là que tout sortait, quoi, comme un jet. Quelques mois après, je te jure, j'ai commencé à peindre, j'ai peint. Et quand j'ai peint, un an ou six mois, cinq mois après, j'ai vu que je signais la même signature qu'elle avait sur sa toile. Et là, ça m'a encore plus choquée. Quand tu sais, c'est quelque chose qui est là, quoi, en fait. Quand c'est là, des fois, il faut pouvoir le lâcher. Ouais. Et si tu le lâches pas, tu sais, ça te suit. Mmh. Ça te suit. Si c'est un mois, dans les un mois, il sera là, quoi. Mmh. Et arrive un moment, il faut que tu disons, je prends sur moi. Et quand je prends sur moi, donc c'est soit j'ouvre la toile, mmh, ou soit je récupère les cartons, je récupère tout ce qui me passe par la main. Et là, il faut que je le lâche. Mmh. Et à partir du moment que je le lâche, après, c'est un grand... Ces derniers jours, ben, je vois beaucoup d'images défiler dans... Par exemple, sur le mur, là, je vais regarder le mur, peut-être je vais voir des formes, je vais voir une tête, un personnage, tu vois. Donc, c'est beaucoup d'images comme ça qui me défilent à chaque fois que je peux fixer quelque chose ou que je peux regarder quelque chose. Et le fait que je suis dans l'abstrait, je vois toutes ces images-là défiler. Et à partir du moment que je prends le crayon ou le papier ou le stylo, comme tu veux, là, je lâche tout ça sur papier ou sur carton ou tout ça. Mmh. Voilà. En ce moment, c'est ça qui me suit. En fin de compte, c'est jamais raté. Parce que le fait que c'est là-dedans, ouais, donc il faut le dégager. Donc il y a tellement d'énergie, il y a tellement de, mmh, de choses à donner, à donner, à donner, à donner. Donc arrivé un moment, c'est ça que j'explique, que j'arrive pas à l'arrêter, ce truc-là. Mmh. Parce que moi, je peins pas sur deux jours, une semaine, un mois. Non, moi, ça sort comme ça, ça vient comme ça. Et après, à partir du moment que j'ai fait la toile, après, je retourne plus dessus.
la série que j'ai, les dernières choses que j'ai peintes, là, ces 2 derniers jours, je partais justement sur un instrument, j'écoutais la musique, le jazz, et je partais sur des instruments, et après, paf, je me suis laissé guider et à travers la musique. Et une fois que je me suis laissé guider, j'ai éteint la musique, je suis reparti sur la toile, eh bien, j'ai exprimé autre chose, comme si j'étais dans une bulle et plus rien n'existait autour. Et une fois que tout ça, ça sort, donc ça donne que des choses, des jolies choses, quoi, des jolies choses magiques, des choses, tout ce qu'il y avait là, en fait. Donc je suis dans une bulle. Je suis enfermée dans ce petit monde, hein, et c'est un monde qui appartient qu'à moi. Et c'est que mon moment à moi, que mon monde à moi, que ma bulle à moi.